Over a billion people on earth that don't have access to clean water, and you're complaining that your Instagram's not growing? Fuck you. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Like Comey Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Hey, salut la gang, c'est Jess pour le Vivi Frog Show épisode 102. Donc, j'espère que vous allez bien parce que personnellement, ça va super bien. Sauf que là, nouveaux abonnements, Comey Wiki 2.0. Donc, je veux pas changer notre formule gagnante. Je veux qu'on continue à checker notre market cap de nos 3D collectibles. Je veux qu'on check les movement price. Je veux qu'on continue avec le 2 minutes du Bitcoin aussi en début d'épisode, etc. Sauf que... Bon, Ecomi Wiki permet de faire des nouvelles choses, donc je vais me permettre de tester certains nouveaux concepts, certaines choses qu'on va regarder ensemble pour évoluer, puis un peu faire grandir le Vivi Frog Show après 100 épisodes quand même, hein. On va continuer à faire performer ça le plus possible, so, soyez pas surpris si j'essaie des nouvelles phases, puis que vous me dites « Ah, oh, c'était pas intéressant », ou au contraire, « Non, c'était bien d'avoir cette petite partie-là de 3-4 minutes de plus ». Donc, ceci étant dit, comme je viens de dire, on change pas trop notre formule gagnante, mais on essaie de l'améliorer. Donc, si vous voulez rien manquer de ce qui est publié dans la chaîne, sur la chaîne, style du Vivi Stuff, Ecomi Stuff, Omi Stuff, Illuvium Stuff, Web 3.0, etc., ben, je vous invite, bien entendu, à faire sur le subscribe button, puis de flatter l'algorithme de YouTube dans le sens du poil en cliquant sur un petit like button. So, that's it. Puis là, ben, nous autres, faut qu'on s'en aille au disclaimer time. Ça, c'est le bout de le fun. C'est le fun, ça. Ben non, c'est pas le fun, mais c'est pas grave, faut le faire pareil. Donc, on fournit aucun conseil personnel financier ou d'investissement. N'oubliez pas que tout le contenu fourni dans la vidéo est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter un expert financier avant d'investir. Merci, bonsoir. OK, on va essayer, faut que je fasse ça vite. Regardez, là. Chute, consolidation. Oups, on a des vagues. Ouh, ça c'était cool. Chute, consolidation. On va continuer, là. C'est pas fini, là. Je pense pas qu'on ait touché un bottom. Je ne pense vraiment pas qu'on ait touché un bottom. Il y a plein de raisons puis de contre-indications qui nous dit qu'on a touché le bottom. Il y a que le weekly qui nous dirait vraiment « Wow, on a touché un bottom ». Même le monthly me paraît bullish. Alors, regardez ici, là. Oui, on a du uptrend à venir, mais pour moi, on n'a pas fini notre downtrend. On est même déjà en train de casser solide. Donc, probablement ici qu'on a refusé le EMA du daily 8. On s'est même pas approché des EMA 55 sur le daily. Fucking oublier ça. Le seul bullish qu'il y a un petit peu, c'est quand on vient voir ici le stochastique RSI sur le weekly. Puis même à ça, regardez mes EMA. Regardez les EMA. Venez pas me dire qu'on est dans le bullish. On n'est pas bullish, on n'a pas touché le bottom. Puis sur le monthly, quand je regarde les EMA, ce que je vois ici, là, des EMA comme ça, avec des chandelles comme ça, si la chandelle a fini dans 7 jours. Comme qu'elle finit là, la prochaine nous annonce encore plus une grosse downtrend. On est en train de passer sous les EMA 3, 8, 13, 21. What the fuck? Genre, c'est pas bullish, là. C'est pas bullish. Je sais pas qui va vous dire que c'est bullish en ce moment, mais il se trompe là. On a aucun bullish sentiment qui s'en vient avec tout ça, la gang. Donc, je vous le dis, ce qu'on va avoir le droit, c'est... une espèce de consolidation avant d'avoir une rechute. Avant qu'on passe au-dessus des EMA 55, ça veut dire qu'il faut passer au minimum au-dessus du 29 000 avec le Bitcoin. On n'est pas là, on a trop de résistance sur la montée, je vous le dis. Donc, yeah, that's it. Donc, à cette heure, on passe sur le market cap de notre 3D collectible. Là, je trouve ça cool en crise parce que je me serais... fait avoir par le market cap des collectibles. On a explosé notre market cap de 73 millions en très peu de temps. Là, j'imagine, vous voyez, j'ai mis des trendlines. Donc, on va parler de ça un matin, puis c'est un peu ce que je veux qu'on parle. J'ai pas la possibilité de le faire avec les chartes. Je l'ai dit, il faut que j'en parle avec Omi the Clone, voir s'il peut pas me sortir la charte en gros, que je puisse vous avoir ça plus performant un petit peu. Donc, attendez un petit peu.
OK. Donc, ce qui s'est passé ici, regardez, on est passé là ici, on était là, puis je vous l'ai dit, là, dans cette journée-là, on avait un plateau 350 millions de market cap. J'étais comme Chris, c'est bien stable, ça. What the fuck? Une espèce de gros moment de stabilisation. On n'avait jamais vu ça dans notre market cap, OK? Puis si vous regardez la trend line bleue, c'était pas mal ce qu'on respectait pour l'instant, là, OK? Ça, c'était nos tops. Ici, on avait comme eu un flash que j'ai pas pris en compte quand je l'ai fait, mais on était pas loin des tops ici. Les tops ici, puis là, ben, je peux-tu? Je peux pas vous le grossir, c'est ça qui arrive. Ça chie le coup. Mais vous voyez, on était comme... ici on touchait. Donc pour moi, on était comme sur une trend line qu'on semblait respecter. Ça me semblait être un flash ici. Finalement, ce que je perçois ce matin, c'est que ça serait probablement pas été un flash. Puis probablement qu'on était plus dans une espèce de canal de ce genre-là. Attendez un petit peu. Je vais retourner sa ligne bleue. Oups. Donc probablement qu'on était plus dans une espèce de downtrend canal comme ça dans lequel on était, OK? Puis finalement, je me serais trompé, le canal ça serait plus celui avec la ligne verte que vous voyez ici, OK, qui serait plus fiable, parce que si je m'en viens ici aussi, ma ligne verte me semble beaucoup plus fiable pour pointer sur le top qu'on voit ici que ma ligne bleue. Donc j'ai l'impression que on est juste dans le respect du channel en ce moment, puis que la suite ça va être une chute quand même assez drastique. Pourquoi? C'est cool ce qui vient d'arriver avec nos collectibles. C'est débile, même que je vous dirais que je suis content à ce fois. Checker, même les comic books ont popé, OK? Ça a donné un gros rise, là. J'ai même fait des trend lines sur le market cap général, OK? Puis regardez, justement, on avait l'impression d'être un peu plus sur cette trend line-là, ici, en bleu. OK, vous voyez, où ce que la ligne bleue semblait être un peu celle qui était le plus respectée, puis ce qui dépassait ça semblait être des flashs un peu du market cap. Quand on réévalue avec la dernière rise qu'on a eue, regardez comment le market cap, finalement, si on prend les deux gros tops avec la ligne verte ici, puis qu'on analyse tout ça, on se rend compte que maintenant que finalement la trend line la plus respectable, ce serait celle-là. Puis probablement qu'on a un bottom qui part ici du style là. Quelque chose dans ce style-là. Probablement. OK? Donc, possibilité en ce moment qu'on retombe aussi, là, ou qu'on aille percer ça. Personnellement, je sais pas. La seule chose que j'ai à dire par rapport à tout ça, par contre, c'est que... c'est que malgré tout ça, c'est débile mental profond, c'est cool, mais ça, si on vient faire un petit tour ici, OK, parce qu'on va utiliser justement un Kobe Wiki, regardez les pièces qui ont gagné le plus, là. Partner Statue, 28, Risso, 5, Todd, 18, Spider-Man Ultimate, 5, Spider-Man Animated, 14, Harley Quinn, 19, le numéro 19, 23, c'est toutes des pièces qui ont gagné beaucoup. Je sais pas, c'est des grosses pièces qui ont gagné beaucoup. Peut-être pas Bobo, Imp, etc., mais la plupart des pièces ont gagné, les grosses pièces ont gagné, puis les petites pièces ont suivi un petit peu, mais rien de drastique. Donc là, c'est cool tout ça, mais pour moi, c'est pas signe qu'on a touché un bottom pour notre market cap de collectible. C'est signe que il y a eu un petit peu de... Il y a eu des achats, peut-être pas de whales ou de manipulation, mais il y a eu des achats en masse de plusieurs personnes, puisque les prix sont bons, tabarnak. Les prix sont fucking bons, là. Donc, t'achètes le floor à coût de 2-3 pièces, c'est pas très long que déjà t'augmentes le market cap. Ça prend pas beaucoup d'argent, là. Ça prend pas du monde qui achète genre 4000 pièces, là, à 6000 pièces, là, pour que le market cap d'un collectible, il augmente, là. Là, ça, c'est quelque chose que les gens se rendent pas trop compte, c'est que pour que le floor d'un collectible augmente, là, tout ce qui est nécessaire de faire, c'est que soit les prix les plus bas soient délisted, ou qu'ils aient été achetés à coût de peut-être 5, 6, 7 morceaux. Puis, tu sais, même un partner statut à 10 000 piastres chaque, en acheter 10, il y a du monde pour qui c'est pas un problème, puis que c'est en plein moment d'en acheter 10, c'est un bear market. Oui, ça peut descendre plus bas, mais quand t'as 100 000 qui traînent dans ton compte, puis que tu te cherches juste une opportunité de faire des millions avec dans 2, 3, 4 ans, parce que de toute façon, c'est ça ta vie, t'as de l'argent, t'investis, t'achètes,
tu flippes sur le mid-long term. Chris, partner statut, en acheter 10. C'est une garantie d'être millionnaire tout à l'heure, genre, tu sais, fait que. Monter le floor price, vraiment pas dur. Vraiment pas dur. Surtout pas de faire jumper notre market cap. Donc, si vous voulez mon avis, rien de super surprenant là, puis même que je vous dirais que ça serait facile de faire retomber tout ça, il s'agit que quelqu'un se dise tabarnak, mon partner statut vient de tomber, vient de monter à 9000, je viens de faire 3000 dans mon profit, Chris, je le revends tout de suite, puis j'attends qu'il redescende ou je rajoute d'autres choses, tu sais. C'est pas très dur de faire bouger le market cap. Donc, apprendre avec des pincettes, je pense qu'il faut faire attention à ce qui se passe, pas se faire un peu enfirouper, se laisser avoir par les sentiments, soit être en FOMO ou vous comprenez, parce que là ça pourrait être un moment parfait où ce que le monde fait, oh fuck, j'ai manqué la vague, faut que j'ajoute mon partner statut à 9000 avant qu'il remonte à 14. Je vous dis pas que ça va redescendre à tout prix, mais je pense pas que ça soit fini. Je pense pas que ça soit fini. Puis je vais vous amener un petit sujet peut-être un peu connexe, mais check it out. T'sais, bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est un article du CNBC, ok? Puis je vous invite à aller le lire s'il faut. S'il y en a qui sont intéressés, vous me laisserez savoir. Je vous donnerai le lien dans les commentaires. Mais ils disent que la récession va frapper dans la première moitié de 2023. Bon, puis le Dow is living over, je suis pas trop sûr ce qu'il va dire par là, mais pensez-y deux secondes. La plupart du monde disent, les professionnels en plus, là, on parle pas de la Fed qui dit non, on va s'en sortir, on n'aura pas une récession, non, on va chier. Ok? S'il y en a qui ont Chris, il faut même pas faire confiance, c'est sûr, ils font juste, en tout cas. Et j'ai pas vu gang de plus weird que eux autres pour l'instant, j'ai trop fucking weirdo. Je parle de la Fed, là, bien entendu. Mais si, exemple, on s'en va pour une récession début 2023, là, vous pensez qu'il va se faire quoi? Il va se passer quoi avec nos collectibles une fois qu'on va retomber dans la saison printemps-été de l'année prochaine, 2023? Parce que les saisons marchent comme ça. Hein? Automne, bull run, printemps-été, bear market, automne, hiver, bull run, été. Puis c'est des mini-vagues, mais le marché respire, qu'on appelle monte, descend. La récession arrive en début de. Encore 1 sur 2 2003. La première moitié de 2003, c'est quand même janvier, février, mars, avril, mai, juin. Chris, c'est le début de printemps-été, c'est dans notre bear market. Il faut qu'on ait une récession dans ce moment-là. T'as pas le run, c'est en 2024, la gang. T'sais, on aura beau avoir. Je pense pas que le VV Verse va tomber en 2023, corps 1, corps 2. Donc. Gardez les choses en perspective, il y a des gens qui seront pas capables de manger tout à l'heure. Pensez-vous qu'ils vont garder leur partner statut, vous autres? Ou qu'ils vont le vendre à 4000$ pour pouvoir faire manger leur kid? Je pense qu'ils vont le vendre à 4000$. Je pense qu'ils vont le vendre. De mon avis, là. Donc, yeah, ça c'est ce que je pense qui va arriver. C'est là pourquoi quand je vois tout ça, je suis comme pas surpris, hein? Ça prend pas des milliards. Tu sais, le market cap, il a monté, là. Il y en a qui vont dire, oui, mais Jess, le market cap, il a quand même monté de. Pourquoi il me fait ça? Si, t'en as un peu. Je dis pourquoi il me fait ça parce qu'il passe son temps à me déconnecter chaque fois que je change de page. C'est. Vous avez beau me dire, genre, oui, mais Jess, il a monté de 71 millions. Puis là, voyez-vous, Esti, il a déjà perdu 2 millions depuis le début du vidéo. On était à 413 ici tout à l'heure. Je peux-tu remettre ça? Regardez. Esti, mes liens sont encore là, c'est cool. Je me rappelle du zoom. J'étais en zoom à 133. On a beau avoir gagné 72 millions, là. C'est pas parce qu'il y a 72 millions qui ont été mis dans l'application. Là. C'est pas ça. C'est pas ça qui s'est passé. Là. Le market cap qu'on voit ici, c'est fully diluted. On va se lire ensemble ici. Okay? Fully diluted market cap se réfère à le floor du prix. Ça veut dire que si le floor price d'un collectible se fait acheter, exemple que il y a 10 collectibles de Spider-Man à 10 gems, puis que les 11, 12, 13 sont tous à 2000 gems. Ben, si on achète les 10 premiers à 10 gems, le floor price, c'est ici, vient de passer à 1000 gems. C'est ce qu'on a dit, 1000 gems au début, il me semble. Bon. Mettons qu'il passe à 1000 gems le floor price pour chacun collectible, plus le nombre de minted, ça va faire monter le market cap site. Là.
Pourtant, il n'y a pas personne qui a mis l'explosion du market cap que vous allez voir. Il n'y a pas personne qui a mis ça. Il y a quelqu'un qui a mis, qui a acheté 10 Spider-Man à 10 gems. Ça lui a coûté 100 quelques gems. Market cap vient d'exploser, lui. Boom! Les prix montent. Genre, mais ça vaut quoi? Ça vaut. Ça vaut rien, ok? C'est du fully diluted market cap. Je comprends que les prix, eux autres, ils ont monté, ok? Mais c'est la même style d'affaires. C'est que je peux acheter le floor. Vous allez me dire, ouais, mais c'est le floor de des gros morceaux. Yeah, ça c'est right, c'est vrai. Sauf qu'il s'agit quand même que quelqu'un ait acheté le floor, puis qu'il ait remis, genre, qu'il ait remis un prix quand même bas. Tu sais, je comprends que les partners statués à 8-9 000, probablement qu'il y en avait pas beaucoup dernièrement, mais en même temps, je pense pas qu'il y en avait gros à 6, 7, 8 000 non plus. Il devait pas en avoir des centaines de milliers à ce prix-là, là. Ok? Donc, mon feeling, la rise qu'on a là, c'est temporaire. Je pense qu'on va continuer à suivre le market cap du Bitcoin. Vous avez vu 2 minutes du Bitcoin, ce qui s'en vient? Mm-hmm. It's gonna go down, motherfuckers. Ça va aller. Ça, c'est mon de prime abord. Donc, ceci étant dit, on va aller voir nos collectible movement. On va aller voir qu'est-ce qui est descendu, qu'est-ce qui est monté. Je pense qu'on n'a pas un gros prêt de prix, mais on va aller voir qu'est-ce qui est monté. Des fois, qu'il y aurait peut-être un petit flipping à faire avec ce qui a été suggéré dernièrement, ça. Hein? Yeah. Donc, comme je disais, on va aller voir les mouvements sur le 24-hour movement price, bien entendu. Il y a juste une chose qui, je pense, va être intéressante aujourd'hui, c'est que ces montées de prix-là vont nous permettre peut-être d'aller voir dans notre spreadsheet, à savoir qu'est-ce qu'on peut peut-être voir pour flipper, qu'est-ce qui est monté assez de prix pour qu'on fasse peut-être un profit. Pour que, bon, hein, il y en a beaucoup qui dans le passé me disaient, Jess, me semble que tu n'offres pas d'opportunité par rapport au collectible. Tu ne nous dis pas, genre, qu'est-ce qui serait une bonne valeur à acheter, quand, à quel prix. Donc, durant la descente dernièrement, j'avais rajouté quelques collectibles. Malgré le fait que les prix étaient encore hauts, comme Melvin à 68. Puis si je me rappelle, j'en ai même rajouté un autre ici, regardez. J'ai suggéré Melvin deux fois, puis deux fois un prix plus haut. Je pense quand même que Melvin à 68 gems était une méchante belle opportunité. Je pense pas que présentement les prix soient assez hauts, mais on va aller voir ça ensemble. Donc, on va essayer d'aller voir ça, bien entendu. Déjà, une grosse partie du Vivi Frog Show d'enregistrer, on approche du 20-30 minutes. Donc, je vais juste aller voir si on a, exemple, réussi à profiter de bonnes opportunités sur notre spreadsheet. Comme vous pouvez voir en ce moment, 46 Melvin, non, c'est le prix que j'avais suggéré, c'est même très loin dans toutes les prix que j'avais suggéré de l'acheter. Bien entendu, à ces moments-là, je pensais pas que le market cap allait dropper si loin pour nos collectibles. Ça me fait penser, même genre, tu regardes Elf Labit, je pense qu'il se vend à 12 gems dernièrement. Rising Overboard est à 18. Donc, voyez un peu le genre d'opportunité que je vous ai dit de profiter, puis que si vous regardez ça présentement, vous allez vous dire « Tabarnak, on s'est fait avoir, le style nous a dit d'acheter ça là, puis c'était pas bon. » Mais si vous avez suivi le disclaimer du début, vous savez aussi que si vous deviez faire vos propres recherches et vos propres diligence. So, yeah. D'après moi, les prix vont remonter. Anyway. So, pour l'instant, ça n'a pas l'air très profitable pour ce qu'on a. Oups. Ce qu'on a là, si je viens voir les collectibles de façon générale, je pense pas que notre spreadsheet ait été profitable. Puis, j'ai pas l'impression que c'est des pièces de fou qui ont monté. Donc, c'est pas des grosses pièces qui ont monté de gros pourcentages. Vous comprenez? Puis, pour répéter quelque chose que je pense que j'ai dit plus tôt, c'est que. Voyons, Colin. C'est que j'ai l'impression que en ce moment, tout ce qu'on a là, c'est juste des floor price qui sont soit buy ou qui sont retirés du market. Tu sais, quand tu vois une pièce comme Partner Statue qui rise en fou, qu'est-ce que tu fais si t'as listé des items puis que t'es listé genre à peu de profit? D'habitude, tu vas les délister. La raison est assez simple. Pourquoi tu vas faire ça? C'est que tu vois que le market est pour monter. Tu crées, je vais les vendre plus cher, mes pièces. Donc, si tout le monde est en train de FOMO pour éviter de vendre trop bas, puis de délister pour relister plus cher, c'est ce qu'on voit pour notre market cap. Puis c'est même, je vous dirais, l'impression que j'ai du pourquoi qu'on voit. Il y a des belles pièces qui ont augmenté, mais pas des pièces de crazy fou débile mental. Ben oui, là, ok, ça c'est crazy cool. Ça c'est cool. Tu sais, toutes des pièces clean, mais pas toutes des pièces de fou, là.
Hein? Jurassic World, un Overboard, un Dr. Doom, puis une Ghost Trap, là, on n'est pas dans... Les times, c'est cool, en crise. Mais on n'est pas dans des pièces de fou, là. Ceux qui ont monté de prix, là, c'est des petites pièces, ok, on va dire ça comme ça. Sous les 500 pièces, 500 gems, c'est des petites pièces, là. Ok. Mais c'est sûr qu'il y en a qui vont éventuellement en devenir des grosses, mais vous comprenez. Tu sais, Goofy, yeah, mais ça restait quand même une petite pièce, même si c'est son first appearance. Je pense qu'on était dans la petite pièce, sauf que si vous l'aviez, vous voulez flipper, créer 128 gems de profit en une journée, cool, mais on est, encore une fois, on n'est pas dans les pièces de fou, là. Tu sais, Deadpool qui a gagné 38%, ben oui. 8 gems. Ouh! Genre, ça prend pas grand chose pour mover le floor de ça. Prend pas grand chose mover le floor de. Oh, un Superman peut-être un peu plus. Mais, tu sais, Thunder God, Thor. C'est pas dur de monter le floor, là, puis faire monter le market cap. Ça. Moi, je vous dis, j'ai l'impression. Le feeling en dedans, c'est une bull trap. Une bull trap dans le monde de la crypto, ça ressemble à ça en tabarnak. Les prix remontent, là, tout le monde est comme. Ouh! Oh, là, on déliste, on revend plus cher. Puis là, ben. Crash down. Ah, c'est du tabarnak, tout le monde sait se fout. Donc, be careful. Je la sens pas, cette montée-là. Je la sens fucking pas. Tout le reste est down dans le market. Je vois pas pourquoi ça serait full up tout d'un coup. À part que un peu de market manipulation, du FOMO. Donc, tu sais, un mélange des circonstances ensemble qui fait que, oh, tout d'un coup, on a une rise dans le price. C'est sûr que tout respecte les market cap, si vous vous rappelez. Je pense que j'en reviens de site. Donc, si vous vous rappelez des market cap que j'ai mis ici, tout semble respecter ça, selon mon avis. Ok, on respecte nos trend lines pour l'instant. Donc, sur nos collectibles, en t'écoutant qu'on n'a pas défoncé ça, qu'on n'a pas consolidé par-dessus la ligne verte que vous voyez là, qu'on va revisiter ensemble pas mal une couple de jours semaine. Tant qu'à moi, on n'est pas encore dans une vraie montée de notre market cap. Puis même à ça, oubliez pas que ça peut... Comment je viens de dire? Ça, c'est du fully diluted market cap. Oubliez pas. Hein? Fait que... S'il y en a qui sont pas sûrs de savoir, là, venez lire ça. Faites-vous une traduction. Mais c'est ici. C'est important à comprendre. So, yeah. That's it. C'était le VV Frog Show. Épisode 102, la gang. So, fuck yeah. Vous avez aimé l'épisode, vous voulez des suggestions, n'hésitez pas à laisser ça dans l'épisode, dans les commentaires. Si bas, so, Peace.